Bonjour, bonjour à tous, c'est le Viking, on se retrouve aujourd'hui sur Planet Zoo pour la suite de notre aventure sur ce jeu. Nous sommes toujours à Live Twitch, bonjour à Piglal, Pouik Pouik, Glamcert, Nia, Torm, Wolf, Zark, etc. Bonjour tout le monde. Et nous sommes sur cette nouvelle zone, du coup la zone Arctique, qui vient de neiger dans le jeu, donc ça c'est plutôt cool, on va rester sur ça. La luminosité est peut-être pas folle, mais au moins il fait moins 2 et il y a de la neige, et ce qui est plutôt pas mal puisque nous sommes sur la zone enneigée du parc. Et ça nous évite pour l'instant d'avoir à poser des ventilos partout. Donc moi j'aime bien. Moi j'aime bien. L'objectif de cette vidéo va être de construire, ou d'associer on va dire en tout cas, cette zone là à celle là. Hein, donc on va prolonger la route, on va sculpter un petit peu la montagne, on va faire monter la route et potentiellement démarrer l'enclos mouflon qui sera un enclos en longueur, ou tout le long du coup, on pourra admirer des mouflons. Et ça, bah, ça peut être cool. Ça peut être cool. Alors le seul problème, c'est qu'on va avoir des soucis, puisqu'on a, on a les trucs de froid partout, mais bon, on verra bien. On verra bien, on verra bien. De toute façon, il y en a déjà qui volent ici. Alors, terrain. On va sculpter. C'est parti. Alors ça, je peux l'enterrer, c'est pas grave. Je parle des remparts, hein. Je vais peut-être même partir sur ça plutôt. Histoire de surélever le terrain. De toute façon, ce qu'il faut, c'est que je surélève le terrain globalement. Ah, par contre, on voit pas grand-chose. Hein. Ah, ouais, ça peut-être être un peu chiant. Hein. On voit pas le terrain avec l'herbe. Avec la neige, pardon. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi faire? Pourquoi j'ai fait ça? J'ai peut-être, on enlève la neige? Ah, pour sculpter la montagne, ce sera plus simple, je pense. Pourquoi ça fait ça, là? T'es pas censé... Ah, voilà. Parce que là, il faut que tu grimpes, hein. Enfin, je vais enlever la neige. Je vais enlever la neige, c'est trop... C'est trop galère. Il faut que la température monte au-dessus de 3-4 degrés histoire que ça fonde. Ah bon, parfait. Très bien, c'est pause. Et du coup, on est parti. Ah, pourquoi ça fait ça? Il n'y a pas de neige. Pourquoi ça fait ça? Bon, c'est pas grave. Ah bah si, c'est chiant, quoi. Mais pourquoi ça fait ça? Terre. Mets-moi de l'herbe. Mets-moi de l'herbe pour l'instant, s'il te plaît. Comme ça, il n'y a plus de neige. Voilà. Là, il va falloir faire monter la route. Je pense que je vais peut-être la faire partir comme ça. Hop. Potentiellement. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Et d'ailleurs, ça me fait penser que la semaine dernière... la semaine dernière pour Twitch, en tout cas... Il y a quelqu'un qui m'avait demandé comment j'avais fait pour faire la route le long de la montagne, quoi. Et bon, j'avais pas spécialement... Enfin, j'avais commencé à répondre et après, je me suis perdu. Et du coup, je sais pas si la personne est encore là, mais... En tout cas, bah, je suis en train de le faire. Donc ça permet de montrer à tout le monde comment je fais, quoi. Ça va être une galère, hein, mais je pense que je vais partir comme ça. Pour tourner au fur et à mesure par ici. Ici, on verra ce qu'on met. Peut-être rien. Hein, on n'est pas obligé de mettre des trucs partout. Ouais, c'est bien, on n'est pas obligé. De toute façon, l'avantage, c'est qu'on a un point de pop en haut. Donc même si personne n'utilise cette route, est-ce que c'est grave? Je ne pense pas. L'objectif est d'atteindre cette hauteur-là, à peu près à ce niveau-là, quoi. Au plus tard. Oh, ça va être une belle galère. Hein. On est parti sur de la construction de terrain, quand même. Est-ce que je peux lisser, là? Parce que je veux qu'au maximum, on ait... Si, c'est trop, en vrai. Je vais mettre... 5, c'est suffisant. Ouais, peut-être que 6 c'était pas mal. Je vais peut-être même monter à 7. Pour être sûr de pouvoir poser ma route. Hop, des petits coups comme ça.
après on lisse. Et on posera la route et on verra après si ça passe correctement. Il faut que ça grimpe tout le long. Donc, oh, ça va être une galère, hein. Quelle idée j'ai eue. Oh, j'aurais jamais dû faire ça. Non, non, là, je peux pas me permettre de faire ça. C'est pas gagné. Oh, c'est pas gagné. Là, on est parti sur, de la sculpture de montagne. Et bon, ça n'étonnera personne. Je ne suis pas un génie là-dedans. Donc, on va voir. Creuse ça là. T'as pas fait un téléphérique, genre un seul moyen de monter. Ils sont pas beaux les téléphériques. Je planterai un brin d'herbe dessus du coup. Hein? Quoi? C'est certainement pas moi, pardon. J'aime pas les téléphériques, ils sont pas beaux. Je suis pas fan. Ils sont trop massifs, trop. C'est logique, hein, mais je sais pas. Hein. Après, rien ne m'empêche d'en mettre un, hein, mais... Tu vois, c'est énorme, quoi. C'est disproportionné par rapport à la taille de la montagne, quoi. Après, rien ne m'empêchera d'en mettre potentiellement un. Hein, ouais. Ici, avec une petite route qui part sur le côté, qui fait grimper en escalier, hop, on arrive ici pour ceux qui veulent pas monter à pied, quoi. Et puis, on fera monter d'une manière ou d'une autre, j'en sais rien, quoi. Passant par derrière peut-être pour arriver en haut. Mais est-ce que les gens l'utiliseront? Je sais pas, on verra. Je vais déjà sculpter ça parce que je pense que ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être pas mal en... Je pense que ça peut donner un style. Quoi. On va se galérer, c'est très très haut, mais... Oh, on va se galérer. On va se galérer. Hein. Non, à aucun moment ça passe ici. Là. Là, je pense que ça passera à peu près. La route fait ça, elle tourne ici, elle grimpe là. Je pense que j'ai encore la faire tourner un peu. Comme ça, une fois, et après je partirai tout droit. Alors du coup, ça il me faut un petit peu de hauteur ici. Il faut un petit peu de hauteur ici. Histoire que je puisse venir associer. Ça. J'ai un regret. Est-ce que je laisse ça? J'en sais rien. Le problème, c'est qu'on va rien voir. Un petit peu de lumière. Ça grimpe là? On voit pas vraiment de différence. Hein. Ça grimpe? Si ça grimpe, c'est bien. Hein. Ça grimpe, ça? Oh, ça a l'air de grimper. Hein. Ça
Ça a l'air de grimper, mais de pas être quand même très droit, quoi. C'est pas si mal en vrai hein, de passer là. Ça va servir à rien, hein. C'est purement décoratif. Hein. Purement décoratif, quoi. Bonne sculpture, merci. Salut, Atteris Shirsuta. Bonjour à toi. Je pense que ça peut rendre bien, moi. On voit rien, quoi, mais je pense que ça peut rendre bien. J'en suis convaincu. On est full dans un tunnel, c'est extraordinaire. On sait que si ça grimpe là, on est bien. Hein. On a pas entre là et là, on a pas été très haut. Hein. On pourrait peut-être monter un peu de manière un peu plus raide. Hein. On pourrait peut-être monter de manière un peu plus raide. Après, ça descend là. Hein. Je vais reprendre d'ici à peu près. Ça va être le passage secret du Mordor. Trop Oh, quoique... Bah après, là, pour l'instant, c'est bizarre. Encore une fois, le dessous, on va sculpter. Pas de soucis. Pitié, Roy, pour s'en mettre un plan. Pourquoi faire? Mais les lampes, si tu vois rien, tu verras un peu plus que le... Ouais, ouais. Bah après, j'ai allumé la lampe torche du jeu. Normalement, la lampe torche, elle est censée être efficace, mais... Mais, bon... Le problème, c'est qu'on a un contre-jour, quoi. Je suis où, là? Bah, je suis trop bas, déjà. Le problème, c'est qu'on a un contre-jour. On avance là ou qu'est-ce que c'est? Oh, ça aurait pas dû avancer beaucoup ça. Ok. Ah, ça fait partie du jeu, hein. Ça fait partie du jeu. Je m'embêterai pas à ce que la route soit parfaitement droite ici. Oh, c'est la dernière fois que je viens jusque là. Après, je monterai le à flanc de montagne. On va essayer. On est bien. Ah, tu vois, cette pente-là, elle est parfaite. Hein. Je pourrais tellement grimper plus. Le problème, c'est que je vois pas ce que je fais, quoi. Heureusement qu'il y a la musique. Heureusement qu'il y a la musique.
Non mais là en fait je creuse pas quoi. Enfin je monte pas le terrain. En faisant ça. Ah oui, ça creuse parce qu'il n'y a rien en dessous. Oui, d'accord. D'accord. Dirais comment tu as fait pour save tes enclos avec tes clôtures, car moi quand je veux mettre un plan, une clôture, et que je pose dans un autre zoo, il n'y a pas les clôtures. Bah j'ai simplement... sauvegardé en temps plan, quoi. J'ai juste fait ça. J'ai juste fait ça. Oh, cette musique, elle est vachement bien quand même. Oh, excusez-moi, mais... Je m'emballe d'un coup, mais j'avoue que j'aime bien. Alors, attendez. Ici, je vais creuser un petit peu comme ça. Ça non, ça, on n'en veut pas de ça. Mais pourquoi ça remplit là-haut? J'en veux pas de ça là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça? Vire. Je suis en train de creuser. Mais pourquoi faire? Mais non! Je me plante. Oh, si on fait ça, on est pas mal en vrai. J'arrive quasiment là où je voulais arriver. Tout était prévu, bien évidemment. Il faut que j'arrive à associer jusqu'en bas sans que l'angle soit beaucoup trop pentu non plus, parce qu'il faut que la route se pose. Mais je pense que ça devrait le faire. Déjà réussir à associer là et après on aura juste à travailler l'angle de la pente. Là, c'est clairement un poil trop raide. Hein. Clairement. Mais on a fait ça déjà. C'est pas mal. C'est plus simple quand on n'est pas dans un tunnel. Hein. Oh non, la petite musique qui s'est arrêtée. Oh. Faut que je vire ça. Oh, le bug. Toi. Et que je remplisse du coup ici. Je suis où? Ah mais c'est chiant que ça fasse ça, pourquoi ça fait ça? Arrête de te remplir, je te demande de t'aplanir par rapport au sol. Tu sors des bouts de terre, on sait même pas d'où ça vient. Tu fais des ponts d'ailes. Non, c'est non.
Non, non. En tout cas, si ça y ressemble, c'est pas voulu. Ah, le problème, c'est qu'on voit pas grand chose, quoi, du coup. Mais arrête de me faire ça, mais c'est incroyable, pourquoi ça fait ça, ça ne l'a jamais fait. J'ai creusé toute notre montagne en faisant ça, j'ai jamais eu ce problème. Toute la montagne d'Asie. Ah j'allais dire ça a l'air d'être correct, mais pas là. Là je pense que c'est un peu raide. Ça a l'air d'être un peu mieux. Faudra voir en posant la route. Faudra voir en posant la route. Je vais lisser vite fait. L'ensemble. Je pense qu'ici il faudra que je le retravaille, mais bon, c'est le plus haut donc c'est pas gênant. Une fois que je serai arrivé là avec la route, ça va. Une fois que je serai arrivé là avec la route, ça va. Du coup, ici on a une grosse bosse. On limite les grosses bosses. Histoire qu'on se torde pas la cheville, pardon. Comme ça. Là, ça a l'air d'être à peu près correct. Ça a l'air d'être à peu près correct. Très bien. Ici. Non, c'est pas. J'ai changé de truc, pardon. Ici, on avance tranquillement. Ah, écoutez. C'est ça, hein, la vie. On n'a pas traversé les Alpes ou l'Angleterre avec le tunnel sous la Manche sans prendre le temps de construire. Je sais, certains n'aiment pas, c'est trop long, on veut devoir gérer tes animaux, construire des enclos. Et après, on me dit, bah, il est beau ton zoo. Ouais, mais il est beau parce qu'on prend le temps de faire ça. Il faut. Hein. Si tu prends pas le temps, bah, c'est pas fait. Et si c'est pas fait, bah, tu prends pas le temps. Si c'est pas fait, surtout, c'est moins beau. Ici, ça m'a l'air un poil raide. On verra. Ça peut le faire, mais ça m'a l'air un peu raide. Tout ça, ça a l'air d'être correct. Une fois que j'aurai posé la route, c'est bien. On sera bien, en vrai. Ça a pas l'air mal. Montre une vue d'ensemble dans ton zoo, de ton zoo. Attends, je montrerai après. J'attends l'ascenseur. Oh, ce serait tellement bien, quoi. Ça va être une sacrée montée à faire. Dans la réalité, jamais je monte ça. Ah bon, ah, moi, dans la réalité, j'y vais direct, en vrai. C'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Quand tu vois ça d'en bas, tu te dis, oh, ça va être extraordinaire de grimper ça. Non. Ouais, j'ai peut-être avoir un problème d'angle ici. Il faudra que je prenne vraiment de l'extérieur, quoi. Pour éviter de coincer là. Et ici, c'est clairement pas propre. Hein. Mais alors, pas du tout, même. Bon, ça va falloir que je le retravaille, en vrai. Hein. Oh non, mais c'est pas bon, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Après, ça monte plus, hein. J'ai fait quelque chose de plus vite. Ah. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Il y a une top? Qu'est-ce que c'est que ça? Après, j'ai fait un truc, je pense, plus vite. Enfin, qui fait grimper plus vite que dans les tunnels. Mais parce que je voyais ce que je faisais, quoi. Alors que dans les tunnels, je voyais pas trop, quoi. Ça m'a l'air pas trop mal, en vrai. Si je peux poser la route, je vais me contenter de ça. On va essayer. Alors, route.
En vrai, pour me faire monter tous ces à pied en haut, il doit y avoir un minimum, une licorne. On n'est pas à l'abri qu'il y ait une licorne, effectivement. Ah, par contre, il faut que j'enlève. Non, mais vous jugez, parce que pour l'instant, il n'y a rien. Mais quand vous verrez la route, ça va être très très joli. Je vais vite l'abandonner, je pense. Ça va être très très joli. Ça vous donnera envie. Vous vous direz, ah ouais, c'est vrai que ça peut valoir la peine. Non, mais sinon, tu redescends, hein. Quand t'es là, tu redescends. Quand t'es là, tu redescends, tu sors du zoo et tu vas prendre ta voiture sur le parking, tu vas te garer là derrière et tu sors. Tu viens là, hein. Moi, je mets pour les gens qui sont un minimum courageux, quoi. Après, si vous ne l'êtes pas, est-ce que c'est mon problème? Je vais rapetisser un peu la route pour éviter de me galérer. Est-ce que je peux rapetisser encore un petit peu? Ce serait pas gênant. De toute façon, il va y avoir personne, hein, donc. Puis j'ai pas besoin d'une route de 8 ou 9 qui grimpe la montagne. Alors, ici c'est gênant. Ici c'est gênant, pourquoi? Parce que c'est raide. Ouais, ça m'a l'air un peu raide. C'est le problème, quoi. C'est ça qui est plus chiant. Ah, attendez. Vous vivez où, en vrai? Question surprenante, mais... doit pas y avoir beaucoup de montagnards parmi vous. Enfin, moi, je suis pas montagnard, et j'avoue que ce genre de truc, j'en rêve, quoi. Enfin, j'en rêve, c'est peut-être abusé, mais... Alors que je vis pas dans l'endroit le plus plat de France, hein, clairement. Parce que ça monte et ça descend pas mal, quand même. Dans mon coin. Mais ça monte pas assez, quoi. Si je remets 7, ça passe? Je vais remettre 7. Il y a possibilité de se tordre la cheville. Hein. Mais bon, de toute façon, les gens ne l'utiliseront pas. Donc, hein. Et en passant par ici, je vais passer en 6. Là, je vais passer en 6. Juste après le virage. Je suis vers Disney. Je suis beige, le point culminant ici, c'est genre 700 mètres. C'est pas faux. Ah, c'est pas faux. Le plat pays, hein. Le plat pays. Même si ça grimpe quand même un peu, hein, mais... C'est pas plus simple de faire la route et de terraformer après? Non, parce que tu peux pas en vrai. Toi, si je pose la route ici, je peux pas aller creuser derrière. Ça creusera pas là. Tu vois, ça me bloque ma route. Donc automatiquement, il faut faire une route en marche. Sauf que si tu fais une route en marche, bah, tu pourras pas coller le sol en dessous de ta route. C'est un peu chiant, mais... Il y a peut-être une astuce, hein, mais moi, c'est l'astuce que j'ai trouvée pour faire ce que je veux. Et ça me va, en vrai. Je suis pas mécontent. C'est joli. C'est simple. C'est efficace. On l'apprécie. Alors, attendez. Parce que là, il faut qu'on voit clair. Là, ça grimpe clairement pas assez. Hein. J'aurais pu être beaucoup plus raide. Mais bon, c'est un coin de repos. À la limite, je mettrai un truc à boire dans le tunnel. Les gens pourront récupérer. Les gens qui seront assez courageux pour venir. Si on n'en aura pas, mais... C'est dommage que dans le jeu, on puisse pas... J'ai même l'impression que ça descende un peu ici. Hein. Bon, ah, c'est pas gênant. Hein. C'est pas gênant, hein. On a le droit de respirer aussi. Ça grimpe tout le long. Les montagnes, c'est pas que c'est un grimpe, grimpe, grimpe. Il y a aussi des descentes dans les montées. Et l'avantage,
et avantage certain, c'est que ça me permet de ne pas avoir à faire un enclos. Oh, ça se trouve, je suis en train de faire ça pour rien, je suis en train de me dire. Mon enclos bouffon, là. On va voir. On va voir. Il y a possibilité potentiellement de faire des trucs ultra stylés, du coup, si je mets l'enclos mouflon au-dessus. Mais alors, ultra stylé. J'ai des trucs en tête, là, qui m'arrivent. Ce serait incroyable si ça, si je peux le faire. Et j'ai pas l'habitude de survendre. Ouais, à chaque tunnel, j'ai l'impression qu'il y a un repère. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Je pourrais peut-être mettre des boutiques. On verra. On verra. On arrive! C'est bon! On voit le... Pourquoi tu veux tourner par là? On voit le bout! Bon, ici, voilà, le terrain est pas très droit, mais on s'en fout. On s'en contente. J'allais dire, je vais réélargir, mais ça sert à rien, en vrai. Oh, ça passe. C'est très très bien. Oh là là, mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Ça mériterait presque la Légion d'honneur, quoi. Bon, bah voilà. Raté. Pas de liaison. De légion, pardon. Dans l'enclos. De quoi dans l'enclos? Tu pourrais mettre des boutiques et autres dans ton prochain enclos où les visiteurs peuvent entrer. Ah. Je sais pas. Le problème avec les visiteurs, c'est qu'ils ont tendance à polluer les enclos où ils rentrent dedans. C'est-à-dire que même à ce niveau-là, ils ont pas un minimum d'esprit. Et de respect, surtout. Il faudra que je change la route parce que c'est pas la bonne, mais... L'important, c'est d'arriver. L'important, c'est d'arriver, et on est arrivé. Et ça... Et ça, c'est beau. Voilà, on a tout associé. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Regarde ça. Oh, ça fait tellement bien. Non. Ah, attendez. Ta zone employée, tu vas la mettre où? Je sais pas encore, je vais voir. Terrain, du coup, on va faire en sorte que ce soit un peu plus réaliste. Pas les morceaux de route qui se baladent comme ça dans le vide. Comme ça. Non. Parce que j'aimais bien le fait que ce soit... Oui, ici. Ah, c'est sûr que là, tu me dis, mais pourquoi t'as pas fait un pont? Parce que les gens préféraient creuser. Non mais c'est sûr. C'est vrai, j'aurais pu faire un pont. J'aurais pu aller tout droit. Et je me suis embêté, oui. Clairement, même. Hein. Peut-être envie d'essayer quand même d'associer par un pont ici.
c'est pas ce que je voulais faire. Ça peut être pas mal ça. Est-ce que j'ai des piliers là? Support. Ah dommage, ça aurait été cool un bon support ici là. Ça permet de couper. Ça permet de couper et ça peut ajouter un petit cachet à la montagne. Mais j'ai une petite idée, je vais voir si je peux la mettre en place. Pourquoi tu creuses là? Mais c'est pas possible, je creuse pas là. Bon, tu creuses. Admettons. Pourquoi tu veux pas là? Qu'est-ce qui te gêne? C'est ça au-dessus qui te gêne? Tu veux que je creuse un peu ça? Oh non, je croyais que c'était associé. Oh bah je suis presque déçu. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça. Ici, c'est un peu trop trop raide à mon goût, trop trop surprenant à mon goût. Ça, je le virerai. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Oula, je suis perdu avec ma caméra. Pardon. Ici, du coup, creuser ça. Est-ce que... Tout long ça? On aime bien ça? Le support, je trouve que ça fait moche, je trouve que les escaliers aussi font moche. Moi j'aime bien. J'aime bien. Salut ami! Pourquoi t'as pas fait un pont? Parce que il y a des fois. Il y a des fois je réfléchis pas très vite. Non, parce qu'il faut penser. Oula, je suis où? Je suis arrivé en haut. Il faut penser, même s'il n'y en a pas dans le jeu, aux personnes en situation de handicap, qui, quand il y a des marches, bah, c'est compliqué. Bah hop, là tu peux quand même grimper. On pense à tout le monde. Ici, j'hésite. Est-ce que je fais la même chose que là? Ça va peut-être faire trop, quoi. En même temps, ça, c'est surprenant, quoi. Ou alors, il faut que je densifie ça, encore. Ça le soit un peu moins. Ouais, ça va, ça. Ça va. Et ici, je pourrais...
pourrait faire ça. Ouais, pourquoi pas. En vrai, c'est stylé, mais c'est pas trop aux normes. Là, il n'y a pas de mur porteur. Imagine, il y a un tremblement de terre. De mur porteur, bah, c'est une montagne. Enfin, on va pas consolider les montagnes, on va pas s'en sortir, quoi. On va pas s'en sortir. Non, ça va, moi j'aime bien. J'aime bien. Ensuite, alors on a le vrai problème de l'électricité, c'est vrai ça. Ça c'est chiant ça. Je suis perplexe pour l'instant sur tes trucs, j'attends la suite. Tu ne seras pas déçu. Faut des murs en béton. Mais non, tout va bien. Tout va bien, faut arrêter d'avoir peur. Un tremblement de terre, c'est juste un éboulement, une chute de potentiel de route et des décès. Est-ce que mourir c'est grave? Non, donc tout va bien. S'il y a un tremblement de terre et que j'ai des visiteurs qui tombent, ils auront la joie d'avoir en plus vécu un petit peu de chute libre. Après, c'est pas de ma faute. Je suis pas responsable du tremblement de terre. Donc, moi, je dirais à leur famille, écoutez, on est censé être un zoo, on vous offre une attraction supplémentaire de chute libre. Maintenant, il a visé à côté de l'eau, tu vois, parce que l'eau est pas loin. Hein. Si tu sens que ça tremble, tu te jettes, hein. Tout va bien. Hein. Faut arrêter d'être toujours... les gens ont besoin d'aide. Non. Les gens sont autonomes, tout le monde sait se débrouiller tout seul et survivre. C'est une montagne volante, porteuse. Montagne volante. Bah non, attends. Elle est pas volante la montagne. Là. Ah mais ça, on s'en fout de ça. Bonjour Ardis. Du coup, heureusement que t'es pas avocat. Du coup, alors ça, on s'en fout, c'est derrière, on le voit pas. On va partir sur la construction de l'enclos. J'allais dire en outan. Mouflon. Enclos mouflon qui partira probablement d'ici. Tac. Et qui va creuser, parce que pour l'instant tout ça c'est plat, mais ça va être creusé. Qui va certainement creuser. Et c'est pas impossible que, de temps à autre, on ait une vue sur l'enclos à partir de la route ici. Je dis ça, je dis rien. On va voir si je peux le faire. Mais c'est une idée. C'est une idée. Donc, on est parti. On va creuser pour l'enclos mouflon. Alors. Il va falloir enlever tous mes bazars de froid. Mais on verra bien, quoi. On verra bien. Ici, du coup, ce serait intéressant potentiellement de faire ça. Attendez, j'ai une idée. Ça c'est un peu chiant ça. Ça c'est chiant ça. Du coup c'est dégueulasse, t'as un vieux pic là, tu te dis pourquoi il est là, on en sait rien quoi mais... Et puis tu peux pas le laisser sans détruire ta route. Enfin. Alors. Route. Route, du coup c'est la route comme ça hein, par contre. Faudra que je pense à la changer. Route qui partira comme ça pour aller observer. Pour aller observer l'enclos. Mouflon. Ah oui c'est vrai que je suis un peu long. L'enclos mouflon. Faudra que je vois quel sens je lui mets à l'enclos. Quel sens je mets à l'enclos. J'ai une idée qui est en train d'arriver, mais je pense que ça va être trop galère à mettre en place. Quoi. Salut Zadkijo. Ça fait un peu fourmilière la route, c'est marrant. Fourmilière ? Bon, je sais pas. Alors, terrain. On va creuser.
On va creuser et je vais creuser. Non, je vais creuser plus par ici. Je vais creuser par ici. J'ai une idée. Je rappelle que je sais ce que je fais. Normalement. Je vais de l'autre côté pour la semaine. Ah ouais, par là. C'est pas totalement faux. Ici. Alors, je vais faire un truc pour que ça aille plus vite. Alors ça va virer. Hein. On verra pour la, pour l'électricité en plus tard. On est où là? Parce qu'il faut pas non plus que je fasse un enclos de 144 km de long. Remarque, je vais venir jusque là, je pense. Hein. Ça, je peux potentiellement le creuser. C'est tellement long. Ah ouais, là, j'allais dire, c'est tellement long à creuser quoi. Alors, ensuite, ici. Comme ça. Que je réfléchisse deux secondes. On pourrait faire un truc genre... Faire. Je réfléchis, pardon, hein, je réfléchis, j'imagine, j'envisage des tas de choses en même temps que je fais, donc c'est la différence de des enclos du début où je réfléchissais d'avance, là c'est plus le cas, donc j'essaie d'adapter quoi, en fonction. Oh, tu as fait une fourmilière, c'est ça? C'est un peu ça? Non, pas du tout. Salut Spacewell, salut Drix. Ça peut le faire, hein, ce que je suis en train de faire, en vrai. Je pense qu'une fois de plus vous allez m'applaudir. Vous êtes en train de voir où je veux en venir, je pense. Ça commence à ressembler à ce que j'ai en tête, donc j'imagine que vous voyez où je veux en venir. Je vais faire un... Quand
table ce que tu fais est magnifique. Merci beaucoup. En fonction de comment j'incline mon ordi, le son est un peu est plus ou moins fort. Ah bon ? Ah, ça c'est bizarre. Ne me dis pas que tu vas mettre un bassin encore, etc. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pour le coup, je vais même pas leur mettre de point d'eau, donc donc non. Non, non, non. Ah ouais, alors attendez. Oh, ça me plaît. En vrai, c'est en train de me plaire très fortement. C'est en train de me plaire très fortement. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est? Mais à quoi je pense? Mais d'où vient-il? Mais qui est-il? Il est fou. Moi, je sais pas comment faire. Ça ressemblait un peu à des rocheuses, comme ça les mouflons pourront grimper. Non, pas vraiment. Calmons-le. Les visiteurs pourront aller des deux côtés de l'enclos. Bien vu, Juju Gofer. Exactement. Exactement. Puisqu'ils se plaignent de ne pas les voir, je vais leur mettre une double vue. Et les mouflons seront à l'intérieur, du coup. La route va passer ici. Grimper là. Enfin, je vais modifier, du coup, l'accès, je pense. Ici, probablement. Hop. Et on va tourner comme ça. Et du coup, les mouflons seront à l'intérieur ici. Ils pourront passer en dessous et venir aussi de ce côté-là. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'aime bien l'idée. Quel génie, même si je comprends pas encore le truc. alors, ce que j'aimerais, c'est potentiellement réussir à les faire descendre ici. Ce serait vachement bien. J'ai pas besoin que ce soit droit. Mais comment les faire accéder à cet endroit? Faudrait que je les fasse creuser. Faudrait que je creuse ici. Pour qu'ils puissent venir potentiellement en là, quoi. Est-ce que ça a un intérêt en vrai? Pas vraiment. Pas vraiment. On va quand même trouver le moyen de pas les voir. Non mais c'est sûr. C'est sûr, mais bon. Il n'y a pas de lumière. Hein. Non, il n'y a pas de lumière. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais creuser et on verra bien. Quoi. Je vais creuser et on verra bien. Faut que je creuse et que... En plus, ça leur fera indirectement un abri. Il est où mon cercle, là? Ok. C'est pas si loin. Hein. C'est pas si loin, hein, pour avoir... On est où, là? Ah ouais, bah, tu vois, j'aurais presque vu arriver par ici, moi. De toute façon, c'est des mouflons. Au niveau capacité physique, ils sont quand même extraordinaires. Ils vont te faire des sauts de cabri extraordinaires. Donc, pas l'inquiétude, quoi. Ils vont pas y venir. Non, mais je sais, ils vont pas venir d'ici, les mouflons. Les humains non plus, mais... Mais j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire pour voir si c'était une bonne idée, quoi. Oh, me dis pas que la route me gêne. Ça, c'est chiant. Hein. C'est incompréhensible, ça. La route est pas censée gêner là-haut. Je demande que j'élève encore, je dirais, pourquoi pas. Mais creuser. Creuser, c'est pas censé gêner. Ah, je voulais pas trop faire. Du coup, ici, on remet la route. C'est pas la même, mais c'est pas grave. C'est dans le tunnel. Ça, là, c'est vraiment un détail. Je sais pas si je vais m'embêter en vrai. Je suis en train de me le dire. Parce
qu'encore une fois, à aucun moment ils vont venir ici, quoi. À aucun moment ils vont venir ici, quoi. Non, je vais pas le faire. Je pense que je vais pas le faire. Non, je vais pas le faire. Ils viendront pas, de toute façon. Ils viendront pas. T'as la hitbox des visiteurs sûrement sur les chemins. Ouais, mais bon, t'es censé leur offrir plus d'espace en creusant, quoi. Donc, c'est surprenant, quoi. Je vais laisser ça. Je vais laisser ça pour l'instant. Je verrai une fois que j'aurai mis les mouflons s'ils ont besoin d'un abri, quelle taille d'abri, etc. Et potentiellement, je leur ferai juste une tanière, on va dire ici. Enfin, une tanière pour les mouflons, c'est surprenant. Mais... je n'arrive pas à remonter là. Montagne. Montagne est un poil haute. Attendez, je vais au moins remettre le trou. Voilà. Alors. L'objectif du coup est d'amener la route par là. La route sera par là. Faut que je sois le plus sur le bord possible pour éviter que les gens se disent « Ah, on voit pas ce qui se passe !» C'est peut-être un peu raide. Hein. C'est peut-être un peu raide ici. Et quand c'est raide, qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle Axel. Allez. Je leur mettrai les rambardes. Bon, on est sur la montagne, hein, c'est bon. Hein. Le terrain n'est pas droit, et alors ? Terrain. On voit pas grand chose avec la neige quand même. Allez. Là ça me semble un peu trop raide. Oula. What, mais je suis carrément sorti de la map. Où suis-je? Où suis-je? Ça me semble un peu raide, mais en même temps, j'ai pas envie d'associer les deux à la même hauteur, là. Donc, j'aurais dû lisser le bord avant. Bon, au final... Au final, c'est quasiment la même hauteur. Je vais lisser ici du coup, puisque je l'ai pas fait de l'autre côté. Je peux quand même le faire là? Non, la route gêne. Tant pis. Tant pis, on fera avec. On voit pas trop la différence entre le rose et le vert là. Enfin, y a pas de vert d'ailleurs, donc c'est un peu logique. Non mais. Et alors là, on va arriver à un endroit. Ah, attendez, parce que là, du coup, j'ai pas fini ça. J'ai pas fini ça. On va arriver à un endroit où je sais pas si je vais réussir à faire ce que je veux.
Je vais... Attendez. Comme ça. Ah, le freeze. Je sais pas si ça va le faire, mais on va voir. On va voir. Je vais poser la route. Est-ce que je peux? Ce sera pas dans le sens que je veux. Oh, je vais peut-être pas poser cette route-là. Peut-être poser plus celle-là. Et là, il me faut. Je veux faire une plateforme, quoi. Un genre de plateforme, quoi. Enlève ça là. Terrain. Est-ce que je mets une plateforme sans sol peut-être? Sans sol, ça peut le faire, hein. Sans le sol, ça pourrait être pas mal. On fait une plateforme, quoi. Une vraie. Donc l'objectif est simplement d'amener la route. Et après, je mettrai une plateforme. Ok. On voit pas. C'est très raide encore. C'est très raide encore. Pardon, hein. Je suis assez concentré, j'avoue. J'avoue que je ne parle pas beaucoup. Parfait, ça. Très bien, ça. Très, très bien. Et si je fais ça... Bon, la plateforme, elle est pas belle. L'angle est pas beau. L'angle est pas beau.
Oh non, pourquoi? Au pire, je fais ça. Au pire, je fais ça. Ah bah non, je le clique avant. Bah non, mais pourquoi? Oh. Ça a encore été un truc incompréhensible, ça. Ok. Ouais, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Très bien. Bon. On voit pas grand chose, mais c'est globalement fait, quoi. Je vais faire une sauvegarde, parce que j'avoue que ça fait un moment et que j'aurais pas envie de retour faire. Hein. Très clairement. C'est sûr que si là les visiteurs voient pas, t'as envie de les jeter dans leur enclos, dans l'enclos. Mais c'est clair, mais attends. Ce serait un scandale s'ils me disent oh, on voit pas ce qui se passe. Est-ce que je peux faire aller à l'écran barre? J'ai la bonne. Allez. Je vais faire ça. Tout le long du coup. Histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de chute. Et puis après, on va mettre l'enclos. Je peux me tromper? Non? Ok. Alors, sachant que pour l'instant on n'a pas les coréens. Évidemment, j'ai envie de dire. Il leur faudra peut-être des jumelles aux visiteurs. Attends, c'est pas possible. Hein. Attends, si t'es là, t'as pas à me faire croire que sans jumelles tu vois pas ce qu'il y a là-bas en face. Ou alors faut mettre des lunettes. Hein. Tant de mépris pour les visiteurs. Ils sont insupportables, les visiteurs dans le jeu. Clôture. Alors, on va mettre une clôture. On va fermer ça simplement. J'ai presque envie de dire qu'on pourrait quasiment fermer naturellement. Donc on va potentiellement mettre des clôtures invisibles. Un peu partout. Hein. Faudra voir un petit peu. Je vais mettre d'ici pour au moins avoir mon entrée. Mon entrée d'employé, quoi. Ah, ok, et là c'est invisible. Il y aura potentiellement un petit point de fuite, mais on verra pour y mettre un rocher, quoi. Est-ce que je les ferais pas venir ici, en vrai? Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Passer en mur.
Non. De toute façon, ils vont pas fuir ici, en vrai. À aucun moment, ils vont se jeter, les boucs. Oh, je continue en invisible. Je continue en invisible. S'il y a quelques points de fuite, je ferai en sorte de mettre un rocher pour éviter qu'ils y aient accès. Parce que forcément, ils auront accès un minimum au bord. Et donc à de potentiels points de fuite. Et je vais fermer ici. Je vais pas aller chercher plus loin. On va rester en invisible pour l'instant. Une fois qu'on aura vu les espèces. À l'intérieur, on modifiera si nécessaire. Hop. Très bien. Porte d'employé ici. Excellent. Et du coup, on a un enclos qui fait beaucoup. 4260 mètres carrés. J'ai envie de dire que ça va. Pas mal ce petit enclos. Merci beaucoup. C'est pas impossible que ce gros bloc-là, il soit supprimé. C'est pas impossible. Ça éviterait les fuites. Et puis après tout, c'est pas nécessaire. Il va où l'enclos là ? L'enclos va jusque là. Ils vont descendre aussi, ils sont tellement agiles les bouquetins. Je fais en sorte que ce soit trop raide pour eux. On verra après. On verra une fois qu'on les aura mis. Modifier la culture. Ils pourront fuir, c'est sûr. J'ai plus. J'ai moins à gérer, quoi, je pense. Non, en vrai, ça change rien ce que j'ai fait. Je vais enlever ça. Cette route-là. Terrain. Ok. Il faut que j'enlève. Ok. Alors, il y a ça qui est surprenant. Ça, c'est pas impossible que ce soit détruit aussi. Ce gros bloc-là. C'est pas impossible que... Ouais, je pense même que je vais le détruire. Bah, c'est détruit. Le bloc est gênant.
Petit souci avec la neige, mais bon. Fais gaffe à tes sous, ils descendent vite. 43 000, bon, ça va. Ça va, merci beaucoup, Elliot, quand même. Il y aura quoi entre les deux enclos? Là et là? Aucune idée. Peut-être que je verrai pour y mettre un téléphérique. Je sais pas, je verrai. Je verrai, j'en sais rien. Après, sinon, je mettrai une simple forêt. Hein. Sinon, je mettrai une simple forêt. Hein. On n'est pas obligé toujours de mettre des bâtiments, quoi. Là, j'ai le bout de l'enclos qui va gêner. Qu'est-ce qu'elle est bien cette petite musique. Chaque fois je le dis, mais... On sent bien avec, avec cette musique. Attends. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Il y aura les points de fuite, mais on y verra après. Ok. Ça va, en vrai, ça va. Sauvegarde. Je vais amener les mouflons. C'est vraiment Roy le ver de terre. Avec les arbres et tout, ça va rendre bien. Le seul problème va être l'enclos loartique. À moins qu'ils aient fait une mise à jour où maintenant on peut mettre des arbres. Bah des arbres quoi. Sinon l'enclos loartique va être un problème. Alors, agent d'entretien. Non, pas du tout. Échange d'animaux. Est-ce que j'avais un mouflon en stock? Je ne sais plus. J'en avais pas. Zoo. Non, pas du tout. Échange d'animaux. Mouflon. Alors, on est parti, on a mis du temps, mais je pense qu'on n'est pas mécontent. Mouflon, c'est tout en bas. Oh non, ils ont changé. Mouflon, c'est pas tout en bas. Mouflon, c'est quelque part dans la liste. Mouflon, c'est probablement pas loin. Mouflon, on finira par le trouver. Mouflon. Mouflon, t'es là. Mouflon. Mouflon. Alors, on peut en mettre plein. On peut en mettre plein et je pense que je vais pas hésiter. Je vais acheter toutes les femelles qui sont là. Tant pis pour leur qualité, leur âge, etc. Et derrière, je vais mettre un beau mouflon. Un mouflon extraordinaire. Celui-là. Il est pas fou, mais... Mais ça ira. Alors, ça ramène ici. Oh, par contre, il va falloir 15 000 ans, quoi. J'aurais peut-être dû attendre. Hein. Parce que j'ai pas de centre d'échange dans le coin. Centre d'échange ! Attendez, je vais mettre un centre d'échange. Centre d'échange, je vais mettre... Y a pas... Ah si, j'allais dire. Je vais mettre celui-là. Pour l'instant, on le met là. Hein ? C'est qu'avec la neige, on voit pas la route, quoi. Pour l'instant, on le met là. Ce sera changé plus tard. Centre d'échange, et je vais mettre... J'ai pensé un truc. Merde, je viens de penser un truc. Ah oui, bah, je vais mettre un... C'est quoi? C'est les agents d'entretien qui amènent les animaux, on est d'accord. Centre d'échange. Je vais construire une nouvelle zone. Nouvelle zone de travail. Tout ça... Arctique. Arctique. Y'a pas de... Ah merde, ça part enregistré. Arctique. Non. Vas-y.
Et du coup, je vais mettre une salle de personnel vite fait. Vite fait, vite fait. On va pas s'embêter. À la limite, j'essaierai peut-être de prendre le temps de les faire fonctionner dans le bâtiment ici. Ce week-end. Je verrai. Là, je vais juste en mettre une, histoire que les gens soient heureux. Où est la porte? Comme ça. Ok. Et du coup, je l'ajoute à la zone de travail. Parfait. Play. Il va arriver de là-bas au bout. Oh, pauvre gars qui va devoir courir pendant 15 millions d'années. Avec une boîte. Avec une boîte sur les épaules, il va courir de là-bas. Wow. De là. Il va faire... Ça va être interminable. Ça va être interminable. Ça va être interminable. Bon, en attendant, je vais amener tout le monde. Comme ça, ce sera fait. On verra s'ils ne le font pas. Transférer. Par contre, j'ai plus de neige ici. Ah bah, j'ai plus d'électricité, donc forcément, j'ai plus de neige. Et de toute façon, tous les trucs sont en train de flotter, donc il faudra qu'on regarde ça après. J'y regarderai même avant de mettre du courant, je pense. Je vais déjà amener les espèces et après, on verra. Pas que je me plante et que je mette l'ours polaire parce que les mouflons vont pas faire l'enfeu. L'électricité, je la mettrai dans la montagne du coup. Salut Maddy. L'électricité, je la mettrai dans la montagne du coup. Bon alors attendez, je mets un play, je m'éloigne un petit peu comme ça je peux accéder. Non, je vais mettre, je fais une sauvegarde. Non mais moi j'ai des craintes. Et je m'y plais. Et on va attendre un petit peu que les espèces arrivent. Si je clique sur un enclos, de toute façon, on voit le nombre d'espèces à l'intérieur. Hein. Attendez. Si je clique sur cet enclos-là... Hein. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Non plus. Mais clique-moi sur l'enclos. Pourquoi tu me cliques sur le... Un bison. Ah bah il est arrivé déjà. Ah bah très bien. Il est déjà là le pépère. Le mouflon est là. Bon bah c'est bien, on peut enchaîner. Oula, j'ai un truc qui vole là. Pourquoi j'ai un truc là-haut? Surprenant. Eh, tu vois le monde qu'il y a? Oh, ils vont pas l'utiliser, ils sont déjà tous partis. Ils sont déjà tous partis. Il va y avoir un monde fou sur dans la montagne, quoi. Incroyable. Incroyable. Salut, Sayan. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être descendre tout ça le temps que je les vois. En sachant que de toute façon... Ils se réactiveront automatiquement une fois que j'aurai mis de l'électricité. Je les garde à leur position parce que c'était à peu près correct. Tu veux pas... où est-ce qu'il y en a qui gênent encore Celui-là, voilà un tout petit peu, mais pas tant que ça. Celui-là vole quand même pas mal. Et j'en ai une tonne et demie ici qui ne sert plus à rien du coup. Est-ce que je peux tout sélectionner?
Je vais les déplacer directement. Ils servent à rien? Oui. Oui, oui. Et du coup, je vais accumuler la possibilité de froid dans le coin. Toi, tu vas servir très clairement à rien. Je vais t'amener ici. Je vais t'amener là. Et toi, je vais t'amener ici. J'ai presque envie de te lire. Tu veux plus partir là. Comme ça. Parfait. On verra ce qui manque après. On verra ce qui manque après. Alors, qu'est-ce que... tes points de fuite, toi. Tes points de fuite avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc tout ça, là, c'est assez logique. Et tu grimpes par là. Et ici, c'est parce que, en vrai, le mur, je devrais le mettre en bas. En vrai, la clôture, je devrais la mettre en bas. Je viens d'y penser. Clôture. T'en restes un en l'air, je crois. Ah, attends, faudra me dire, je regarderai. Merci. Pour l'instant, j'avoue, je l'ai pas vu. Ok, je mets un play. Et point de fuite, probablement en bas de toute façon. Ici et là toujours. Alors, là, je mettrai probablement des cailloux. Là, je mettrai des cailloux. Je mettrai des cailloux. Je mettrai des cailloux. Eh ben, j'ai envie de souffler un peu. Il y en a un qui flotte là-bas au fond. Je sais pas si c'est celui que vous aviez vu. Ok. C'est pas suffisant. Aussi. Effectivement, celui-là, je l'avais pas vu du tout. Ok, pour l'instant, ça fera l'affaire. Je pense que... Il y en a encore un là, ouais, d'accord, effectivement. Celui-là, je vais le mettre là parce que j'étais en train de me dire ça manque de neige ici. Très bien. Je pense que je vais mettre l'électricité tout de suite. Comme ça, elle sera mise et j'aurai du courant pour ça et remettre la neige parce que lui, à mon avis, il veut de la neige. Ouais, il veut de la neige. Il veut bien un peu de sable, il veut bien un petit peu de terre, il veut bien beaucoup de roches, d'herbes longues, etc. Mais il veut bien aussi beaucoup de neige. Et comme on est en haut de la montagne, je vais lui faire de la neige. Il sera dans la neige. Et je pense que du coup, l'avantage d'avoir fait ça, c'est que ça va me permettre de creuser un passage qui va me permettre d'amener l'électricité sans que ça gêne la populace. Qui est content d'avoir de l'électricité, mais qui se plaint de la manière dont elle est produite.
Enfin, c'est même pas qu'ils se plaignent de la manière dont elle est produite, d'ailleurs. C'est surtout qu'ils se plaignent de voir l'outil de production, on va dire. Ok, je pense qu'on est assez loin. Ça devrait pas gêner de voir l'électricité ici. Je vais le mettre là-bas dans le fond. J'espère que je suis assez loin. Si je suis pas assez loin, je suis déçu. Mais je vois pas pourquoi. Bah, je vais regarder d'ailleurs. Oh, oui, c'est bon. J'aurais même pu le mettre plus proche. Allez, employé, je vais mettre celle-là. Ok. Zone de travail. Arctique. Et on ajoute ceci. Ce qui fait que là, normalement, nous avons de l'électricité pour tout ce coin-là. Et c'est très très bien. J'aurais même pu le décaler encore. Ici, je pense qu'il n'y aura rien. Ici, je pense que ce sera de la nature. On passera dans la forêt, quoi. Nouvelle mode, les ventilateurs volants. Je vais mettre un play, histoire que la neige revienne. Non. Ça a plus fondu qu'autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils marchent pas, les ventilos, là? Ah ouais, d'accord, c'est ultra long. Attends, pépère. Ils vont se barrer, hein. Je vais avoir les infos. Mouflon en fuite. Ok, la neige est en train d'arriver. On va faire avec ça pour l'instant. Soyard ne peut pas atteindre l'habitat. Pourquoi faire? Pourquoi il peut pas atteindre l'habitat? Quoi? Non, c'est parce que j'ai pas de soigneur dessus, je pense. Je pense que c'est ça. Merde, j'ai lancé Google. Excusez-moi. Du coup, fais voir un petit peu ce que tu veux. Alors, on est parti, on décore l'enclos. Ça, on s'en occupe pas parce que de toute manière, ce sera full neige et ce sera modifié après. Je vais peut-être juste gérer le côté roche. Le côté roche sur la falaise, tout simplement. Il va me falloir un peu plus que ça. C'est bien le petit peu de neige qu'il y avait. Je vais probablement creuser un petit peu ici. Non, c'est pas ça que je vais faire. Pour être sûr que le soigneur puisse entrer dans l'enclos et descendre. Comme ça. Ah, sachant que c'est vrai que j'ai pas spécialement fait plus de terraformation que ça au centre, hein. Et combien ils ont d'espace au final? 2400 sur 480. 2004, hein, j'ai perdu quasiment la moitié de la taille de mon enclos juste parce que, bon, ouais, c'est de la montagne partout, quoi. Donc c'est pas un enclos si grand que ça. On espérera qu'il neige, histoire que ça mette de la neige partout où ça peut en mettre. Je suis en train d'en supprimer un petit peu en même temps ça, quoi. Ici. Et après on va pouvoir mettre quelques arbres et autres et ça va commencer à ressembler à quelque chose. Sachant qu'il faut encore que je fasse la terraformation ici. Au niveau abri. Au niveau abri, ils ont ce qu'il faut. Mais est-ce que c'est parce que ça, c'est suffisant ou... Alors, je vais creuser. Je vais remplir ici au cas où.
Si c'est suffisant, tant mieux. Est-ce que je creuserais pas un peu au final, ça? Ça pourrait potentiellement limiter les fuites. De toute façon, c'est des mouflons, hein. Ça a besoin de tenter, tenter le diable, j'ai envie de dire. Faut que ce soit un terrain accidenté. Je vais leur faire un terrain accidenté. Histoire qu'ils puissent... qu'ils puissent escalader, quoi. Alors ici, je vais peut-être tout limiter la possibilité de grimper plus haut. J'ai mon mur là. Oh non, j'ai pas de mur. Si, si, j'ai un mur. Je me disais, terrain ici. Ah, normalement, ça, il grimpe pas, quoi. Ça, là, ça doit être trop haut pour eux, je pense. On va faire ça. Ils auront de toute façon toujours une... la capacité de fuir parce que c'est des mouflons et que c'est des génies. Mais on pourra normalement les empêcher de partir. J'étais pas sûr d'avoir associé. Je vais mettre un petit play. Recalcul de l'itinéraire en cours. Hop. Le mouflon. Et ici. Salut l'exoviseur. Il y a toujours les points de fuite. Mais les points de fuite, au final, c'est toujours ça là. Donc rocher, c'est bon. Et ici, je vais mettre rocher également. Et ce sera bon. Et après, là, je mettrai de la roche aussi. Et ils pourront pas partir, je pense. Je vais peut-être même faire ça direct. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux taïga et toundra. Nature. Taïga et toundra. Fais voir un petit peu la couleur des roches. Ah, c'est vrai qu'on peut mettre de la roche enneigée, quoi, du coup. Ah ouais, j'avais oublié ça. Y a pas beaucoup de différence entre taïga et toundra. Hein. Je vais mettre taïga, je pense. Ah, du coup, il y a toundra, c'est glace et neige. Bon, bah, je vais mettre toundra. Là. Du coup, on peut mettre des blocs de neige. Et ça, c'est plutôt très très bien. Faudra qu'on voit un petit peu comment s'arranger pour que ça rentre bien. Mais je vais mettre des blocs de neige pour commencer. Ce sera pas choquant, je pense. S'il y a full neige partout. Celui-là. C'est le moment d'utiliser ça. Ça peut bloquer très fortement tout un passage tranquillement. Pas mal. En dessous, je vais y ajouter ça.
En espérant qu'ils escaladent pas, on verra de toute façon. S'ils escaladent... on modifiera quoi. Bah déjà je pense qu'on est bien. Comme ça. Comme ça. Au moins pour bloquer quoi. Au moins pour bloquer quoi. Là normalement il devrait plus passer nulle part. On va mettre un petit play. Attendez. Ça a recalculé ou ça a pas calculé? Non, ça a pas recalculé encore, c'est bugué. Ah si, il passe encore. Il passe encore, merde. Il passe encore, ils escaladent sur un rocher là. Oh, c'est dingue comment ils sautent, c'est fou en vrai. Ils sautent de là à là là. Non, ils passent là. Ils passent ici. Ils passent ici, ils passent ici. Bah bougez pas les gars. Vous avez pas passé longtemps. Vous êtes peut-être agile et impressionnant. Mais ce sera pas suffisant. Ouais, je vais prendre le plus gros, ce sera plus simple. Je sais pas si c'est qui saute ici, c'est incroyable s'ils sautent là quoi. Ils sont vraiment impressionnants. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces mouflons? Bon, c'est bon. Là. Attends, s'ils passent encore, c'est dingue quoi. Salut l'Exoizer, je ne parle pas pour rien dire et je profite du live. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Je trouve que le chat est très silencieux. Bah écoute, tant qu'ils sont là, il n'y a pas besoin de parler. Hein. Après, même s'ils sont plus là, en vrai. C'est dommage, mais encore ! Bah attends, mais il est incroyable ce mouflon ! Terrain. Attendez. Ah, t'y vas plus là, c'est pas possible. Galère les mouflons. On est tous admiratifs. Merci Warlox. Je vous dis à la prochaine, bisous tout le monde. Bye. Salut Azuna Kirito. Merci beaucoup. Bon week-end à toi. Alors attendez, parce qu'il passe où là? Parce que là le problème c'est qu'on a le temps qui va commencer à se... C'est incroyable qu'il passe ici quoi. Ils sautent là. Ils sont pas si forts que ça les mouflons. Là je veux bien. Là, je veux bien. Là, je veux bien qu'il passe. Peut-être qu'il me suffirait juste de le pousser un petit peu. À quoi me sert ce terrain, du coup? À rien, en vrai. Que je leur offre la possibilité de grimper. Si je fais ça. C'est pas possible qu'ils passent là. Hein. S'il vous plaît. Sinon, je veux devenir un mouflon. Hein. Ah, je suis en train de offrir un passage. S'il passe, c'est peut-être un super mouflon. Ne sous-estime pas un mouflon. Au pire, on enlève le CU. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Je pourrais toujours enlever le caillou. Ah bah là, par contre, ils ont plus du tout... Alors, ça confirme qu'ils passent encore là-haut. Ça, j'avais pas fait attention, mais ils ont plus accès du tout en bas. Donc, je vais leur offrir un passage. Je vais leur offrir un passage en mettant un caillou. Je remets un caillou de neige. Tac.
Allez-y les gars, descendez. N'ayez crainte. Vous avez le droit d'aller à cet endroit-là, mais vous avez juste pas le droit de monter ici. Là, c'est interdit. C'est interdit, la société a décidé que vous n'auriez pas le droit. Et donc, arrêtez d'embêter le monde. Ne montez pas. Ok, il n'y a plus de point de fuite. Il n'y a plus de point de fuite. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à descendre ici. Bon, après, je fais le terrain, moi. Si je fais ça, on est bien. Pas de raison qu'ils passent pas, là. Si. Tu descends pas, là? Attends, t'es en train de me dire que t'es capable de grimper des trucs incroyables, mais quand il faut descendre, il n'y a personne. Ça. Ah bah voilà. C'était le caillou qui te mettait sous pression. Ok. Ça me va. Ça me va, ça me va. Du coup, t'as combien? T'as 2300 mètres carrés. T'as 2300 mètres carrés. Je vais faire ceci, histoire d'éviter que ça flotte, hein, et que ce soit visible, du coup. Qu'on le voit un petit peu, c'est pas rare, mais... on évite de trop le voir. Hein. Et ça, je vais le décaler. Comme ça. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là pour la vidéo YouTube. On finira du coup l'enclos, la décoration de l'enclos mouflon dans la prochaine vidéo. Ce qui va me permettre moi de passer le temps histoire qu'on on revienne en plein jour. Ça va me permettre de réaccumuler un petit peu d'argent. Et puis on va décorer ça quoi. On va décorer ça, après on verra bien. Regarde ça, le monde qu'il y a là. Bon forcément ils utilisent des marches hein, mais Ah du coup il n'y a plus personne en haut. Ouais. Ça va venir. Et puis, c'est pareil, hein, de toute façon, ça sera vite supprimé, je pense, quand on aura fait une route qui partira directement ici, je pense. Voire là, quoi. On verra bien tout ça. On verra bien. On n'y est pas encore. Merci Twitch. Twitch, on enchaîne, ne bougez pas. Merci Twitch d'avoir été présent. Merci à Jogatak, Lexovisor, Emi, Maddy, Asuna, Kirito, etc. Merci tout le monde. Bonne journée à tous. Bisous. Et à la prochaine pour la suite et fin de l'enclos mouflon. La montagne commence à prendre une certaine forme. C'est pas fini. Ne jugeons pas encore maintenant. Mais vous ne serez pas déçus. Je vous le garantis. Enfin, j'espère en tout cas. Allez, ciao.